qu'il y a deux trucs disponibles, on dirait. Ah, attends. Voilà. Mais ça a pas l'air de faire grand chose. Bon, attends. Ah non, ça enlève les portes à chaque fois. On a pas fini. Hein. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ça, à chaque fois, on retire les couches, mais... résultat, ça fait que dalle, quoi. En fait, le seul truc qui fait envoler les trucs, ben, c'est les ballons, quoi, en fait, hein. Clairement. Putain, mais j'ai plus de balles encore, mais lol. Oh, c'est relou par contre là. Hein. Chaque fois de plus avoir de balles comme ça, c'est chelou. Hein. J'espère que plus tard ils vont remédier parce que... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Non mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais, les seuls trucs qui fonctionnent, c'est ça, hein, du coup. Alors attendez. Hop. Ah oh, mais non, mais il claque avant aussi le con, putain de merde. C'est pas sérieux ça. Bon, bah écoutez, ça m'a gavé. Il y en a marre. On va prendre l'hélico. Au moins, je vais apprendre à le maîtriser, hein, au pire. Hop. Alors, comment on fait? Utiliser le treuil, ouais. Et comment on utilise les mitraillettes et tout, là, du coup? Oh, mais c'est juste un treuil, c'est nul. C'est pourri, votre truc, là. Putain, mais vous êtes sérieux? Pourquoi les alliés, c'est toujours les moins stuff, wesh? What the hell? Système sol air opérationnel. Comment on fait pour qu'il lâche? Ouais, et donc? Ouais, ouais, je comprends le concept, hein, mais faudrait que tu lâches en fait. Bah alors, il lâche pas le con. Wouah! Je suis à sec. Bon. Tout va bien. C'était calculé. Hein. Bon. Bon, on se casse d'ici. Hein. Clairement, ça me gave. Bah, quoique, attendez, faut peut-être prendre des balles par contre avant de partir. Parce que clairement, là, étant toujours à la dèche, c'est pas ouf. Hein. Alors. Désolé, bébé, j'ai pas fait exprès de faire du bruit. Alors. Si t'appuies sur treuil. Ouais mais non, sur treuil ça fait rien. En fait je descends de l'hélico, c'est chelou. Bon, on va faire des quêtes hein, parce que c'est bien de s'amuser mais il faut jouer un peu hein. On est d'accord. C'est bien beau de détruire tout ça là mais ah ben c'est chaud de m'aider aussi hein, du coup. C'est chaud que je m'auto-aide, hein, parce que clairement... on a même des aérofreins quand même, eh, mine de rien. En tout cas, on s'éclate bien. Hein. 43 boules, c'est pas mal.
Ça fait des dégâts, hein. Putain. Bonjour. Je viens en paix, les enfants. Faites-le, c'est tout. Hé, hey, allez dessous les chars, il faut qu'ils bossent sur de nouvelles pages avec les grenouilles. Hé, hey, visez un peu cet Apollon. Garland King, vous savez qui je suis. Non, mais je crois que vous pouvez aider l'armée du chaos. Ah, on verra ça un peu plus tard. Allez, venez faire un tour. Rico, je suis vraiment fan de votre allure. Ce look, cette assurance et le cuir. Vous êtes un artiste, ça se voit. Le De Vinci de la violence. C'est pour ça que je vous veux sur ce film. Je vois toujours pas le rapport. Ah, on s'occupera des détails plus tard. Hé, vous voyez cette vieille coque de noix là-bas? Ouais. Je veux la voir fendre les flots. Mes cascadeurs et leurs mâchoires en béton encaissent bien les scènes de baston, mais... il leur manque une petite touche artistique, alors tenez. Prenez ça. Et je veux vous... les détails. Posez ça sur cette épave flottante et envoyez-moi ce vieux rafio directement au paradis de la cale sèche. King, c'est quoi ce truc avec les grenouilles? Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Hé hey! Vous êtes partant? Je crois que je pourrais... Parfait! On donnera un exemplaire du contrat à votre agent. Vous n'avez pas d'agent, on va vous en trouver un. On va faire des trucs incroyables tous les deux, chérie. Ok. Hé, hey, Charlie, tu peux te la foutre où je pense ton histoire, ok? On va pas faire ça à l'ancienne, on va faire un truc qui aura jamais été fait avant. Ok, je crois que c'est les propulseurs qu'on a eu, les gens. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a eu des propulseurs de PGM. Hey, assurez-vous que la bobine soit chargée. Alors, attendez. Ah, ça y est, maintenant, on a balancé. Propulseur, ok. Alors, voyons voir. Ok, alors, propulseur, par défaut. Donc, équiper propulseur. Il faut des puissances élevées, ok. C'est tout? Tranquille. Oula, ils vont quand même faire chier, je le sens. On veut pas rater la lumière. Alors, résultat. Donc le C. What the fuck? Ah, mais fais pas le con, mec. Ouais. Ouais, d'accord. Et voilà le signal. Montez à bord, Rico. Dégagez le passage, les gens, bougez. Ouais. C'est un peu bizarre leur truc, hein. Tout le monde au point de rendez-vous. Eh ben Rico, on dirait que vous êtes ma star et mon garde du corps. J'ai jamais signé quoi que ce soit. J'ai beaucoup de matériel très cher dans ce van. Alors les laissez pas nous écraser. Ah, ok. Je suis venu ici pour tourner mon nouveau film. Mon magnum opus. Ah ouais. On se croit au paradis, mais il faut des permis pour aller partout. Et ils donnent des permis qu'au personnel des Spinoza Télécom. Et soit dit en passant, je ne travaille pas chez Spinoza Télécom. Bon, il faut une arme, là, vite. Plus hermétique qu'un cul de palourde de marée haute. J'adore ce lisse. Il y a un intrus sur le site. À toutes les unités, ordre d'attaquer. Avance, bébé. Putain, mais elle est pas douée, la meuf, en fait, hein.
Ouh lolo. Oh merde, le con! Je me suis trompé de tout, je l'ai dégommé! Pourquoi est-ce qu'il met toujours des trucs sur la route? Avancez! J'ai déboîté la meuf, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra dans la voiture. Vous faites du très beau travail. Ouais, vous gagnez votre travail. Vie en faisant tout exploser sur votre passage. La plupart des types font semblant et laissent l'équipe des effets spéciaux s'occuper du reste. Oh putain. Pas vous et moi, Rico. On forme un duo. Restez avec moi, petit. Jouez dans mon film et... On va où? Je me rends sur la prochaine scène. Vous allez simuler ma mort. On se connaît à peine et je dois déjà simuler votre mort? Allez, soyez sympa, mon gars. C'est presque fini pour aujourd'hui. L'attaque a cessé. À toutes les unités, restez en alerte. Alors. Reveniez votre poste. Prenez mon van. Détournez l'attention de la main noire. Eh merde. J'imagine que je ferais bien de trouver un avant-poste de la main noire. Bon, on va avancer un peu plus vite comme ça, je pense. Détournez leur attention et détruisez le van. Il faut que j'ai l'air de mourir dans une grosse explosion. J'ai toujours voulu tirer ma révérence comme ça. Vous plaisantez? Jamais avec ma mort. Ça dure pas longtemps, le truc. Il faut que ce soit spectaculaire, explosif. Ça devrait me faire gagner quelques heures. Au revoir. L'ennemi dans notre zone. Putain, ça avance pas du tout, cette merde. Contact avec l'ennemi. Entendu. Tirez à volonté. Bon, le nitro, il dure pas longtemps quand même, hein, dans le jeu. Ah bah bravo. Bravo les pilotes du dimanche. En plus on peut pas tirer. Bon allez, raccourcis les gens. Et maintenant, on détruit ce van, c'est ça? Hop. Oh putain, le van va pas tarder à crever, hein. Oula. Ça va être chaud, hein. Qu'est-ce qui se passe? Que j'ai plus de balles. Again, hein, bien sûr. Jamais 203. Hélicoptère en approche. Super. Oh, je suis mort en fait. Tout simplement, je suis mort. Bah oui. Mec qui met 30 ans à charger son putain de bazooka là. Bon bah on est décédé. Ah. Bon. On aurait peut-être récupéré des balles, non? Même pas. Ah non, on n'a rien récupéré du tout. Ah si, un peu de balles. Tranquille. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Une nouvelle quête. Ouais gros. Allez hop. Rico, si tu pouvais monter dans ce véhicule là-bas, on aurait besoin de ton aide pour un plan. Oh putain, encore un truc à la con. Putain. Bien. Et maintenant, il faut que t'échappes à la main noire qui arrive pour te choper. On les a peut-être appelés. Bonne chance. On les a peut-être appelés. Chier. QG, la cible est dans un véhicule terrestre. QG, contact avec l'ennemi. Compris, il y a un
intrus sur le site. À toutes les unités, ordre d'attaquer. On est en mode Need for Speed, sa mère. En tout cas, la maniabilité, elle est assez fine. Des bagnoles. Pas très réaliste, mais... Quoique. J'ai rien dit, en fait. Quand il suffit de tourner beaucoup, là... QG, on a plus de visuel. On attend vos ordres. Bien reçu. La cible s'est échappée. Retrouvez-la. Bon bah voilà, on est bon. Hein. Ah mais ils sont encore là les cons. Oh putain, ils sont relous. Bon, c'est pas du tout une voiture tout terrain, hein, clairement. Oulolo. Par contre, on détruit quand même les rochers avec notre voiture. Hein. Ça, je dis rien. Oh, what, qu'est-ce qui se passe là? What? On a plus de bagnole, non? Je vais me dégourdir les jambes. On envoie une autre unité vers votre position. Pas mal. Alors là, ça a bien foiré, hein, clairement. Oh, on est bourré. Je vois plus la cible. Je lance les recherches. Pas de visuel sur la cible. Que fait-on, QG? Entendu. Continuez la poursuite. Putain, maintenant ils vont plus me lâcher, ces cons-là. Oula. Putain, mais ça frise de ouf par contre le jeu. Oh, vous me faites chier, monsieur. Je vous le dis, hein, je vais être sincère avec vous. Vous me faites chier. Voilà. Bon, résultat. Oula. Hop. C'est un bordel le bazar. Bon. Alors résultat, si on fait ça. Ouais. En fait le nitro ça marche pas trop bien sur les motos. Elle est bien, elle est parfaite cette voiture, regardez ça. Bouge pas gros, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oh putain. Faites pas ça chez vous. On a plus la cible en visuel. Trouvez-moi cet ennemi. Allez viens là petit con. Pardon. Descends. Putain mais attends, on va être dans la merde pendant combien de temps aussi là, bordel de merde. Putain, ils vont être relous, hein. Donc c'est bon, là. Donc si quelqu'un a une idée pour faire semer ces connards, là, je suis preneur. Hein. Clairement.
Oui. Quand tu veux, bébé, hein. Avec la cacahuète. Ah oui, mais non, mais je suis accroché du coup. Oh putain. Mon dieu. Alors. Du coup. On a plus la cible visuelle. Mais putain. Entendu, continuez la poursuite. Bon attendez, il faut une voiture de course hein, clairement. Là-bas. Ah d'accord. Tout va bien. Ah, c'est quoi cette voiture? Voiture de coup furieux ça. Ah voilà. Oh putain, elle est fou furieuse la bagnole. Par contre, j'aimerais bien pouvoir semer les policiers là. Oh putain, c'est quoi de ça? Oh putain! Le mec, il avait un bazooka intégré, wesh! Bon, j'aimerais bien me débloquer là. Ok, bon. Y a pas une mission logique là, une mission normale. Ah si, là-bas, il y a une mission normale. Ah. J'ai un peu raté le virage quand même. Hein. Alors qu'est-ce que t'en penses de ce petit jeu, Jérôme ? Par contre, il y a beaucoup de déchets sur le chemin. J'en ai déjà entendu un peu. Ah ouais? Eh ben super, j'assume complètement tout ce que j'ai dit. Bon, oula. Question numéro 1. Comment abordez-vous le rôle d'une figure historique aussi emblématique que Diego Espinosa? Eh bien, je me sentais investi d'une vraie responsabilité pour rester fidèle au rôle. Ok. C'est d'un être de chair et de sang dont nous parlons. Et un ancêtre de l'un des hommes les plus influents et les plus puissants de ce siècle, Oscar. Bon. Ouais. Abandonne ça, mec. Abandonne la bagnole. En fait, le mieux choix pour se déplacer, c'est comme dans Far Cry, hein, c'est
c'est les putains de trucs comme ça quoi. Enfin je déconne, dans Far Cry c'était plus important quand même hein, les bagnoles. Mais dans ce jeu là je crois que le meilleur transport ça reste le grappin hein, clairement. Et la voie des airs. Bon par contre le point il est où là? Sauf que j'avance depuis tout à l'heure mais... Waouh, mais t'es sérieux, j'ai fait que ça comme... Il y a un problème là. J'suis encore à 10 000 mètres du truc wesh. Demain on y est encore hein. Dégage, ah, c'est dégage. Je sais pas si on peut pas transformer un... une voiture en avion. Ouais. Ça il est plutôt cool le jeu quand même les gens. Après il y a beaucoup de trajets hein, clairement. Oh putain en plus il y a... Oh je crois qu'on va y aller comme ça hein, pour aller plus vite. Ouais ça va mieux. Et pour qu'on est bientôt arrivé là quand même mine de rien. Ah ben voilà. Et ben dis donc. Et merde le con. Je me suis trompé de touche. Ouais. Ok, le mec il va jamais réussir à faire le truc que je veux en fait. C'est vraiment un handicapé de ouf quoi. Ok, bon. Eh ben dis donc. Putain. Vous devez être Rodriguez, le révolutionnaire. C'est vous, Ravi? Non, mais j'ai pas le temps de vous expliquer. Ravi m'a dit que vous pourriez lui apporter l'équipement dont il a besoin. Ouais. La main noire a saisi ses affaires. Elles sont près de la cascade. Si vous les battez, vous pourrez lui apporter son équipement au tombeau de sous.